Bien l'équipe, aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'il n'y a pas de fil rouge comme il peut y avoir avec les séries sur la chaîne YouTube, non? Ce matin je me balade tranquillement sur Twitter, je regarde les tendances Twitter, je vois le show Bayard Gotaga, d'ailleurs c'était insane. Mais en TT France sur Twitter il y avait également le hashtag fait parler le nom des joueurs. Les gens sont clairement des génies, alors vous allez me dire Lexi, en quoi consiste ce concept? Tu peux me dire? Exemple, tu vois Adrénaline, bon déjà son blast c'est un jeu de mots, qui a mis une photo de Neymar, mais au-dessus c'est écrit la chenille qui re Neymar. Ça peut faire rire que des CP, mais moi ça me fait rire et j'aime bien. Tu vois, donc vidéo sur ça aujourd'hui, l'équipe. Validerez le concept en commentaire, l'équipe. Et vous me direz surtout si vous en voulez d'autres sur la chaîne YouTube. Proposez-moi d'autres hashtags par exemple. Mais pour me faire savoir que vous avez kiffé, vous connaissez la recette. Le petit pouce bleu, qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir, l'équipe. Je compte sur vous pour me valider ce concept. Et tant que j'y pense, l'équipe, c'est un concept sur Twitter. Viens me follow sur Twitter, puisqu'on n'est pas beaucoup. On est 7000, 300000 sur YouTube. Faites-moi monter un petit peu cette barre de followers. Je compte sur vous. Et puis, let's go. Pour commencer, les mecs, je crois qu'on détient le génie de la vidéo. Non, parce que ça doit être le premier tweet et c'est possible qu'on trouve mieux juste après. Mais ce mec est un putain de génie. Regardons ensemble. Quand j'étais petit, j'ai piqué Djibala à Matata. Je l'ai refait au cas où certains n'auraient pas compris. J'ai piqué Djibala à Matata. Donc, t'as un mec qui a piqué 10 balles à sa tata et bref, t'as compris en fait, je vais pas te refaire la blague. Et je vous mets au défi de faire mieux que lui, le mec a quand même utilisé 4 noms de joueurs pour nous faire une phrase, c'est fort. Ok, donc on a carrément un mec qui a eu l'imagination de revenir à un ancien film des bronzés font du ski pour nous sortir la fameuse « Quand on reverrai-je, pays merveilleux !» Avec le blaze d'N'Golo Kanté. Ah non, celui-ci il fait fort, même si celui d'avant était un petit peu plus fort. 4 blazes, là il y en a qu'un. Je valide quand même. Parfois je baise à la plage et parfois j'encule au ski. Ok, non les gars, ça y est, on arrête tout, c'est lui le génie de la vidéo, je vous jure qu'à chaque tweet je vais dire ça, mais non, c'est incroyable. Et c'est marrant ce concept l'équipe, puisqu'on peut se remémorer d'anciens joueurs, Jean Kulowski, pour ceux qui se souviennent, évolue du côté de l'AC Milan. J'avoue que c'est bizarre de dire son blaze. Et c'est l'heure de l'apéro, saucisson sec. Ah non mais c'est trop les gars, je vous jure que c'est trop. Pour l'instant, 4 joueurs, c'est le plus grand nombre de joueurs qu'on a pu utiliser pour faire une phrase. Et c'est ultra réussi, pour l'instant, franchement. En vrai, quand tu regardes, t'es obligé de tricher un petit peu pour formuler une phrase. Non, parce que c'est sûr que ça passe pas toujours quand c'est l'apéro. Saucisson sec. C'est comme si je te parlais chinois, on est d'accord. Bon alors celui-là, je vous l'accorde, il est subtil, non, parce qu'ami Marseillais, vous l'avez déjà depuis un bon moment, surtout depuis qu'il a signé au club, Sakai. Déguin. Fallait forcément qu'avec ce concept, on le ressort ce blaze. Quand je mets trop la clim, je trouve que Sakai, voilà, il est subtil, comme je vous ai dit. À l'heure où je tourne la vidéo, les mecs, là, on est samedi, il est 14h, dans 2h exactement, il y a la France qui joue contre l'Argentine. Et je vais me servir de ce tweet pour montrer ma confiance en l'équipe de France, puisque je suis sûr de moi, j'en mettrai ma tête à couper. Ah, t'as fait rire, celle-là. Mais c'est passé dans le dos, le centre, Lucas. Allez, second poteau, Pavard. Grégory Coupé, qu'est-ce qu'il date ce type, gardien de l'Olympique Lyonnais à l'ancienne. Ah, ça rappelle de mon souvenir quand t'avais l'Olympique Lyonnais qui évolue en Ligue des Champions sur TF1 contre le PSV Eindhoven, le Barça, tout ça, tout ça. Ça te remet pas mal de choses en tête. D'ailleurs, je sais pas si c'est ce mec qui vient de mettre ce tweet qui a créé le concept, parce que non, il est réellement inspiré le type. Juste en dessous, il nous met les calories, ça fait grossir, si c'est pas ouf. Le cas d'ailleurs, les mecs qui a signé au Racing Club de Lens. On s'en bat les couilles. Ce mec est décidément trop fort, je vous jure qu'il est trop fort, ton moulin va trop vite, Meunier, tu dors. En voiture, Simone. Bon, lui, c'est subtil, hein. C'est comme Sakai, c'est limite trop facile. Hier soir, j'ai pris une grosse cuite. Grosse cuite, tu vois ce que je veux dire. Non, lui, franchement, il fait partie du top 3 des génies de la vidéo. Clairement, l'équipe. D'ailleurs, vous mettrez en classement votre top 3 des meilleurs tweets du concept d'aujourd'hui. Là, clairement, je vous le dis, l'équipe, on a un tweet qu'il faut montrer aux joueurs du Barça, non, parce qu'on connaît tous le jeu. Ah, c'est ouf, irrespectable du Barça, tiki-taka, tu connais. Mais comme dirait Mino, faut pas trop jouer à la baballe. Franchement, il est subtil aussi, celui-là, mais bien placé. La phrase typique quand tu te fais friendzone. Incroyable. Franchement, incroyable. Le Japon qualifié pour les 8e de finale, c'est vraiment inouï. En parlant du Japon, c'est vrai que cette équipe est exceptionnelle au cours de cette Coupe du Monde. Qualification en quart de 8e de finale, c'est déjà pas mal. Alors là, je sais que parmi vous, vous n'avez pas de computer, vous êtes en particulier sur Facebook. Bah, dites-vous qu'à côté de Twitter, Facebook, c'est vraiment le truc le plus pété du monde. Parce que est-ce que sur Facebook, vous voyez des comptes officiels, notamment de la préfecture? Là, la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui nous met sur la route. J'adapte toujours ma conduite aux conditions climatiques, même en cas de brune. De brume. Pas compris. Et puis t'as même la prévention routière qui participe à des tweets comme ça. Allez, on n'y résiste pas quand t'es en soirée, mollo sur l'alcool avant de prendre le volant, sinon gare au gyro, phare, et à la cellule dégrisement. Voilà, je
peux même pas commenter, c'est incroyable Twitter. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour ce concept. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour me péter la barre de like. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir plus de concepts de ce type sur la chaîne YouTube. Et dites-moi d'ailleurs s'il y a un modifié, puisque je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. C'est tout nouveau pour moi de faire ce genre de concept. Donc c'est possible que j'ai encore un peu de mal et que j'ai du mal à animer le truc. Juste des conseils en commentaire. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube. L'équipe, c'était Alexis. Ciao. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé. Ramener